Au début du mois d'août dernier, Konami France a organisé un voyage de presse tout à fait étonnant, ayant pour but de présenter Silent Hill 2 à toute la presse spécialisée européenne. Cet événement mystérieux a transporté les heureux invités dans un lieu aussi flippant et angoissant que le jeu lui-même. Tu confirmes ? Tout à fait, oui, c'était vraiment effrayant, on était dans le noir avec les lampes torches. Ça se passait dans un château en banlieue parisienne, c'était où exactement ? Dans la forêt de Chantilly. Dans la forêt de Chantilly, bel endroit, tout à fait. Très très bel endroit. Sous la pluie. Ce premier contact avec le hit de la Silent Team laissera à tous un souvenir impérissable. Outre les nurses qui nous ont accueillis, la maison hantée et la partie de paintball en pleine nuit, nous avons ainsi pu rencontrer et questionner les membres de la Silent Team, le studio responsable du développement des deux Silent Hill. Ces messieurs à l'esprit torturé ont donc fait le point avec nous sur la mise au point, justement, douloureuse d'un soft qui va révolutionner le survival horror. En tout cas, vous avez vu le test hier, vous êtes déjà convaincu. On regarde ce petit reportage sur Silent Hill 2. Sarao. I'm CGI director of Silent Hill 2nd and also Silent Hill 1st. The main character named James, he lost his wife by disease and, after 3 years, he got the mail from his dead wife and he decided to go to, look for Mary, his wife, to Silent Hill. James, honey. Did something happen to you? We just, had a lots of meeting, million times, in the beginning of this project, and try to make a consensus. Like 2 months or 3 months, every day we went to the meeting room and talk about how to make it and how to express it from morning to night. Are you confusing me with someone else? まあやっぱ僕らゲームのクリエイターなんですけど、やっぱそのゲームの中で、そのまあ今回はまあサイレントヒル2はホラーということなんで、まあその怖い怖さ、それで例えばまあこういうよまあお城みたいなこういう場所に来た時にも、そういうまあこういうのは怖い怖さにつながるとかゲームの中で活かせるとかそういうやっぱそういうことはやっぱ普段からやっぱ考えるようになりますね。コナミオブヨーロッパの方々がまあこういうイベントを開いていただいて、まあ僕らも本当何をやるか知らずに連れてこられて、まあああいう場でインタビューとかに、まあこういう場でインタビューとか受けてるんですけど、やっぱこういう普段日常生活で来れないような場所にやっぱ来れるっていうのは非常にこうそのクリエイターとして刺激になるし、建物だけじゃなくてこの周りの環境だとか、まあ、Excuse me. I'm sorry. I No, it's just... okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? 今だとですね、ちょうどもうサイレントヒル2一番最後の。時期なん開発末期なので、なんていうかもう、いや、好きというよりはもう、サイレント2を愛して、もう、それをとてもすごいいいゲームにするために、もう、今はそれだけしかやってないんで、またしばらくはもうずっとサイレント2だけプレイしてます。It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real.Voilà, donc comme vous avez pu le voir, on s'est franchement bien marré, le trip d'interview dans la baignoire, c'était vraiment chouette. La musique est partie, donc voilà,
Dernière info, Silent Hill 2 sort partout en France le 23 novembre. C'est une bombe de jeu, n'est-ce pas Julien? Absolument et fantastique. En plus, et en plus, les musiques... final grandiose. Ah ouais, et les musiques sont juste super envoûtantes. Et ça, tu vas en parler mieux que n'importe qui. La BO de Silent Hill, elle est composée donc de deux albums. Ça, donc, c'est le premier, premier exactement, enfin, le premier Silent Hill. Tout à fait. Bien sûr. Donc, premier Silent Hill qu'on voit ici Zunkoko. Était en fait composé par Akira Yamaoka. T'en as fait quoi du boîtier? Tu l'as mangé? Exactement, bah non, c'est Silent Hill. Il y a des distorsions de temps, je ne sais pas, d'accord, des je casses. Vois, je vois. J'en sais rien. Temporelle. Exactement. Pour la petite anecdote, il faut savoir que ce cher Yamaoka est aussi le compositeur, et ça c'est assez surprenant, des musiques de Winning Eleven, de toute la série donc des ISS, ISS qu'on connaît. Exactement. C'est un trip complètement différent. Autant les musiques de Silent Hill sont complètement dissonantes. C'est vraiment un album qui se subit puis s'il s'écoute. Alors ça, attention, petite mise en garde, c'est clair, vous l'écoutez tout seul dans le noir, ça va pas aller du tout, mais pas du tout, parce que c'est vraiment des musiques qui utilisent des basses fréquences, par exemple, qui ne se perçoivent pas à l'oreille, mais qu'on ressent vraiment viscéralement. C'est très très impressionnant comme travail. Silent Hill, quoi, le vrai truc. Exactement, ouais. C'est, y a des morceaux à la gratte absolument fabuleux, comme on peut l'entendre. Cependant, dans le deuxième album, qui vient juste de sortir donc, pour accompagner le jeu au Japon, Akira Yamaoka a encore pris la baguette pour nous composer donc ça c'est BO. La version de Jap, ça. Tout à fait. Alors ça c'est la version de Jap. Et justement, scoop extraordinaire, pour la première fois en France, il y aura une BO de jeu vidéo qui sera distribuée officiellement sur le territoire. C'était le cas pour Metal Gear aussi. Oui, mais c'était plus particulier, ça ne se vendait pas directement en fait. C'était en bundle avec d'accord, une édition collector. En tout cas, donc vous pouvez voir l'illustre, va s'afficher à l'écran donc de la jaquette de la version française que vous trouverez donc dans les boutiques incessamment sous peu à partir donc de fin de mois de novembre. Et elle est identique à celle dont tu vas nous parler maintenant. Exactement. Elle est d'accord. Complètement identique à la version japonaise que qui est déjà disponible. Voilà. Tout ouais. à fait. Et grande nouvelle. Elle est belle. La jaquette est magnifique, au Japon, ouais. je trouve. Hein. Oui, tout à fait. Elle est ouais. un petit peu plus subjective aussi. C'est clair. Ouais. Beaucoup de morceaux de guitare, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus structurés. Des accords un petit peu plus torturés aussi, mais peut-être moins de musique d'ambiance glauque, malsaine, comme il y avait dans les premiers. Tu t'en souviens, j'espère. Ouais, c'était vraiment. Bien, écoute, ouais. Ça s'écoute au casque. Hein. Ça s'écoute pas comme ça. C'est pas anodin. Écouter une musique de Silent Hill, c'est pas du tout comme Resident Evil. Il faut passer rapidement et vraiment se jeter dedans. Ma foi, deux albums absolument incontournables. Lequel pour tous tu les préfères fans. Pour finir, très rapidement. Celui que je préfère, le 2.